ça, ce truc-là, après tu rajoutes juste du lait végétal et t'as pas ta crêpe en fait. T'as pas d'œuf, t'as rien d'autre. Et après, on est sur du gaz. Et après, on va aller s'amuser. On est en bas et on va faire son défi. Allez, c'est parti. C'est parti. On file en bas. Tu vois, avec une crêpe, hein. Ah, grave. Carrément. Allez, go, chef. Je vous suis. Donc là, dans le labo, avec donc une plaque induction, c'est ça, chef? Eh oui, là, maintenant, on est passé à l'électricité. On va voir quand même que le résultat n'est pas tout à fait pareil. Alors l'avantage de l'induction, on va pouvoir saisir rapidement, mais par contre, on va pas avoir la même cuisson. La flamme, c'est pas la même chose. Alors peut-être plus facile à maîtriser à l'induction finalement, mais ça change tout. Donc rappelle-nous là, ce sont des crêpes qui ont quelle particularité? Alors ça, c'est des crêpes qui sont entièrement végétales, donc des crêpes véganes, qui utilisent aucun ingrédient, pas d'œufs, pas d'allergènes. Donc les farines utilisées ou l'assemblage, ce sont que des farines sans allergènes. Donc c'est vraiment une crêpe particulière et on arrive à avoir le résultat vraiment identique à une crêpe classique. Et puis là surtout ce qui se dégage, c'est l'odeur. Ah bah on a tout là. Bah après bah, bien sûr on va rajouter du rhum, de la vanille. Si on veut le faire en salé, on va mettre du sel, des épices, un peu de curry. Même à la rigueur on se fait une crêpe roulée au fromage classique béchamel avec du jambon, du lard et tout. Bah il n'y a pas de problème quoi, ça va le faire. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir, puis même à la rigueur je dis fromage, mais on n'est pas obligé de mettre du fromage dedans. On peut faire une sorte de béchamel, des petits légumes, béchamel vegan hein, sans fromage, on peut faire plein de trucs. C'est là où on met le point aussi sur le fait qu'on peut manger végétalien, sans forcément, en étant dans de la gastronomie quand même. Donc là on voit qu'il n'y a pas une coloration, peut-être que j'aurais pu la colorer un peu plus. Mais on va remarquer quand même qu'elle n'est pas dentelée pareil, c'est pas du tout le même résultat. On aurait pu me lever un peu plus. Par contre, on a vu qu'à la cuisson, c'est beaucoup plus facile à lever parce qu'il y a une cuisson qui est très uniforme. Le feu, il faut jouer avec, il faut se faire la main. Sur les deux premières crêpes, là, on peut en faire directement sur l'induction. Mais bon, ça fonctionne bien. Ouais. Donc là, tu vois Amélie, on va voir la cuisson ici à la galetière en fond de mon arrière-grand-mère. Ici, donc sur gaz. Ici, sur gaz avec une poêle téflon. Et là, la totale téflon induction. Donc on va voir quand même qu'il y a des colorations différentes. Là, il y a quelque chose qui est moins homogène, mais avec une plus belle, un côté dentelé, dentelle plus jolie, presque séché à l'intérieur. Ici, on va avoir quelque chose de plus moelleux, mais un peu plus uniforme. Et là, on a carrément quelque chose pratiquement d'industriel finalement pour le résultat. Donc, comme quoi, quand on passe de la flamme à l'induction, ça change déjà beaucoup. Enfin, ça change beaucoup. Et puis quand on change de support aussi. Donc pour des personnes qui font des crêpes, on va dire normales en termes de composition et de recettes, en effet, bah, qu'est-ce que tu préconises en termes de poêle? Est-ce que ça marche quand même? Est-ce qu'il faut mieux en effet de l'induction? Est-ce qu'il faut changer sa poêle? Le meilleur, là j'en ai pas aujourd'hui, mais le meilleur ça reste les crampouses, les galetières quoi, à l'ancienne, le gaz, ça reste le meilleur. Après sur le gaz, on va pouvoir mettre de la fonte. Il faut éviter tout ce qui est téflon finalement. Déjà d'une, c'est pas très bon pour la santé en général.
Et après, tu as quand même une cuisson qui est différente. Par contre, pour la facilité, on va plus aller sur du téflon et de l'induction, mais pour le résultat, quoi, tu vois. Ok, bon. Donc, après, voilà, ça sera bon quand même, ça va être très bon, mais on va voir la différence à la dégustation. Carrément. Okay. Bon, et toi, ta best alors, c'est celle-ci, hein. Celle-ci? C'est avec la poêle de la grand-mère. Bah oui, l'arrière-grand-mère. Elle est là. Mais oui, c'est carrément ça à tenir. À un moment donné, le matériel, c'est important aussi. Bon, bah c'est parti. Nous, on va aller déguster tout ça. Et puis, bah écoutez, peut-être qu'on vous donnera juste une recette de crêpes comme ça, histoire de rigoler. Une bonne recette, la recette de crêpes du chef Pierre Châtelain, Palais Créatif. Je te remercie. Je te dis à tout de suite pour la dégustation. Allez, go, c'est parti.